Bonjour tout le monde et re-bienvenue encore une fois sur Mue par Chloé. Je me suis rendu compte en parlant avec les filles de mon entourage que c'était bien beau d'être capable de se maquiller en 5 minutes le matin, mais qu'elles ne prenaient pas nécessairement le temps de le faire. Elles m'ont également dit que la seule chose qu'elles faisaient, c'était de mettre une bébé crème et du mascara. Par contre, elles m'ont avoué qu'elles ne savaient pas nécessairement laquelle bébé crème elles devaient choisir et laquelle était bonne pour elles. J'ai décidé, à ce moment-là, de tester toutes les bébé crèmes qui me tombaient sous la main. Juste avant de commencer, je voudrais vous expliquer qu'est-ce qu'une bébé crème à la base. Il y a plusieurs appellations pour la bébé crème. Habituellement, cela veut dire blemish balm, beauty balm, bon beauté ou encore basse beauté. Cette crème avait été créée par une dermatologue allemande pour ses patientes, mais a été vite adoptée par les Asiatiques qui avaient subi des chirurgies plastiques ou encore des peelings chimiques pour pâlir leur peau afin d'avoir un teint porcelaine. Ce qui est bien souvent avec les bébés crèmes, c'est qu'elles ont une bonne protection solaire. Le mandat principal de la bébé crème est tout d'abord de régénérer la peau, la cicatriser, donner un coup d'éclat et de corriger les imperfections. Bon, vous vous demandez quelle est la différence entre une bébé crème et une crème teintée? Je me l'ai également demandé au début, mais maintenant, je sais faire la différence. La bébé crème, elle, ne colore pas, mais va aller corriger les imperfections, tandis qu'une crème avec du fond de teint, le fond de teint est plus là pour la couvrance. La bébé crème, elle, est un fluide hydratant léger, où ce qu'on a ajouté des pigments à l'intérieur et puis souvent il y a une bonne protection solaire. Tandis que la crème teintée est simplement un hydratant où on a ajouté du fond de teint à l'intérieur. La première que je vais vous présenter est la Stila et je crois honnêtement que c'est une de mes préférées, ça l'a bien commencé. Donc les points que moi j'ai trouvé qui ont ressorti étaient que ça me donnait une peau extrêmement douce. C'est vraiment ce qui m'a estomaquée. Vraiment très lumineuse, pas grasse, un fini mat. Ça camouflait les rougeurs, mais malheureusement ça ne camouflait pas les imperfections. Elle avait un fini qui était plutôt doré, donc quelqu'un qui a déjà la peau dorée va peut-être moins l'apprécier si ça renforce. Ça peut camoufler plutôt les rougeurs, ce qui va être vraiment bien de ce côté-là. C'est parfait, oui, c'est parfait pour les gens qui vont faire de l'acné parce que de un, elle n'est pas grasse, elle est mate, mais le côté doré va aller camoufler les boutons, les imperfections de l'acné, les cicatrices à cause du jaune à l'intérieur. La deuxième que j'ai testée était la Vichy et j'ai été déçue. La Vichy, ce que j'ai trouvé, c'est que son fini était gris, me donnait vraiment un fini gris à ma peau. Elle était quand même assez couvrante, un peu trop hydratante, même, mais pour les peaux sèches, ils vont aimer ça. Juste les peaux grasses et mixtes vont moins l'apprécier pour ce côté-là. La troisième était la CoverGirl. Malheureusement, elle ne couvre pas du tout. Elle était huileuse, trop hydratante, mais je ne sais pas encore si c'est de l'hydratant ou si c'est juste de l'huile qui est à l'intérieur. Mais celle-là, je ne l'ai vraiment pas aimée. La Revlon. Thumbs up à la Revlon. Fini lumineux, naturel, bonne couvrance pour les rougeurs et les imperfections. Ça faisait pas comme un fond de teint, vraiment ça donnait une belle impression d'une peau flawless au naturel. La cinquième était la Annabelle. Un fini soyeux, vraiment je la sentais hydratante, couvrance légère à moyenne. La seule chose que j'avais remarqué, oui, de la Annabelle, et c'était la même chose que pour la Marcelle, qui est la prochaine, était le parfum. J'ai pas vraiment apprécié le parfum, ça me dérangeait un peu, mais on le sait bien que c'est du parfum cosmétique, ça s'en va, mais à l'application c'était un peu moins agréable. Donc la sixième, la Marcelle, identique à la Annabelle quasiment, la même odeur, sauf que le fini était plus mat. Je l'ai porté par contre durant toute une journée et à la fin de la journée j'étais vraiment grasse. Donc peut-être que pour une peau sèche, ça serait peut-être trop sèche, mais pour une peau grasse encore, à la fin de la journée, ça serait quand même gras. Ah oui, une chose que j'avais moins aimée de la Marcelle, c'est que même la plus pâle était trop foncée.
Ensuite, la septième était la Lise Wathier. Je l'ai beaucoup, beaucoup aimée. Le fini était super soyeux. Elle était vraiment, c'est vraiment un hydratant avec pas de l'huile à l'intérieur, mais de l'eau à cause de la fleur de lotus. Un fini lumineux, mais mat en même temps. Puis il y avait une très bonne couvrance, mais encore plus léger qu'un fond de teint. Ensuite, la huitième, c'était la Lancôme. La Lancôme, géniale, vraiment, vraiment super bonne. Va vraiment aider au niveau aussi des rides parce que c'est une crème qui a été formulée pour les environ 40 ans et plus. Elle a vraiment un super bon anti-rides à l'intérieur. Quoique j'en ai pas de besoin, mais je l'ai quand même essayé. Le fini, encore une fois, soyeux. Couvrance lumineuse, vraiment. Et puis, c'était très hydratant. La seule chose, c'est qu'elle était pricey, là. Elle était vraiment plus chère que les autres. On parle d'un 90 $. Mais pour celles qui ont besoin d'une crème anti-rides, en plus d'un fond de teint ou d'une bébé crème, c'est juste parfait parce que vous avez votre crème de jour. Puis en plus de ça, elle est moins chère que la crème normale de cette gamme-là qui est la Réénergie. Dans normal, je crois qu'elle est 110, la Réénergie, et celle-là est 90. Et en plus de ça, vous avez votre bébé crème à l'intérieur, mais le fini, c'est vraiment un de mes préférés. Ensuite, j'ai eu la Clinique. Malheureusement, j'ai été déçue. Le pigment aussi était gris pour moi. Très luisante, finie gras. Quoique pour les peaux sèches, ça peut être bon, mais pour peau mixte grasse, oubliez ça. Couvrance moyenne, mais quand même naturelle. Ça, j'ai quand même apprécié ça. La Maybelline, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment et il y en a énormément qui l'aiment pas. J'en ai tellement entendu me dire, ah, je l'aime pas la Maybelline, elle cache pas, elle fait rien. Mais moi, je l'ai aimée. C'est ma meilleure amie en plus qui me l'avait fait découvrir. Puis non, je l'ai vraiment aimée. Vraiment très naturelle, la couvrance était légère. Pour les peaux normales, je dirais peut-être pas nécessairement les grasses parce qu'elle est un petit peu plus hydratante, mais peau sèche, normale, c'est génial. La seule chose, oui, c'est elle va camoufler les rougeurs, mais pas vraiment les imperfections. La L'Oréal, absolument aucune couvrance. J'ai pas aimé les billes à l'intérieur, ça faisait comme du sable au début, même si elles s'estompent, mais c'était vraiment pas agréable. Je dirais que c'est plus une base de maquillage qu'une bébé crème. Je la catégoriserais vraiment pas avec les bébés crèmes. Ensuite, la Garnier. Je l'ai vraiment adorée, la Garnier. Elle est vraiment, vraiment mate. Géniale pour l'été. Elle va camoufler les rougeurs, les imperfections. C'est super. Elle a été vraiment faite pour les peaux mixtes à grasse. Celle-là, je vous parle vraiment de la Garnier pour mix à grasse, pas la Garnier originale. Parce que la Garnier originale, pour moi, je ne l'ai pas inclue dans mon test, mais je l'avais déjà essayé et la Garnier originale, pour moi, elle était trop couvrante. J'avais l'impression d'avoir un masque dans le visage. C'était gras, c'était pas confortable du tout. Donc, elle, je l'avais vraiment pas aimée, mais quand j'ai essayé celle-là, j'ai été agréablement surprise. Ensuite, la Smashbox. Super, elle est photo-friendly, c'est bon pour les HD. Très très lumineuse, couvrante, rougeur, imperfection. Elle est très hydratante, mais super naturelle. Je veux simplement vous dire que pour cette capsule-là, je n'ai absolument pas regardé les packagings pour voir ce que les compagnies nous disaient. Parce que souvent, plusieurs filles dans leur review de bébé crème vont nous dire, bon, sur telle compagnie nous dit que cette crème-là va faire ça, 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 ça. Moi, je ne l'ai pas faite parce que je ne voulais pas me laisser influencer. Je voulais vraiment vous donner mon opinion à moi. Roulement de tambour, je vous dévoile les grands gagnants. Donc, pour les compagnies populaires, en troisième place, on retrouve la Maybelline. En deuxième place, la Revlon. Et en toute première place, la Garnier. Pour les compagnies prestige, en troisième place, on retrouve la Lancôme. En deuxième place, la Stila.
Et la compagnie qui se mérite la première place, Smashbox. J'espère maintenant que vous êtes assez outillés pour choisir votre bébé crème. Merci d'avoir regardé et on se voit lors du prochain vidéo. Bye bye!